passer le four. Le courant va traverser, donc on devrait normalement, j'espère, si le vent tient, avoir le courant avec nous jusqu'au ratin. Je suis fatigué là, j'ai pas beaucoup dormi hier, donc j'ai beaucoup barré. Auprès, il y avait beaucoup de clapots, beaucoup d'algues. Donc j'ai privilégié ça pour essayer d'être à l'avant, de rester à l'avant pour, parce que je me suis dit que ça allait peut-être un moment ou un autre partir par devant. J'ai pris la décision de partir à terre pour m'abriter du courant. Ben, je suis allé me coucher une première fois, 15-20 minutes, ça allait bien, je perdais pas trop de terrain sur Jeanne Grégoire et Frédéric Dutille. Donc voilà, j'ai commencé à enchaîner les petites siestons de 20 minutes pour vraiment bien récupérer. Et puis je me suis réveillé, j'étais sur la plage. Je pensais faire abstraction de tout ça et puis de continuer le chemin, continuer la route. Pour l'instant, il n'y a pas de mal, toute la flotte est resserrée, donc on pouvait craindre le pire sur cette étape. J'ai l'impression que finalement, il ne fera pas trop de mal.